Hey, 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 salut tout le monde, mes petits culs, et welcome back to the Ugly Family! Et voilà, deux semaines ont passé, on retrouve notre famille. Oula, va te coucher. Va te coucher. On retrouve notre famille après cette pause pour les votes, et vous avez désigné haut la main en gagnant de cette génération Carla, qui sera donc l'héritière. Non. Non, je commence déjà à faire des conneries. Des conneries. Tu vas dormir. Dormir. Voilà. Et ta sœur aussi. Hein, et ta sœur, et ta mère, et tous tes frères, et c'est les bonheurs. Va dormir aussi, toi. Mais oui, va dormir. C'est voilà, c'est bon. Donc, c'est Carla qui va nous pondre des petits rejetons pour la prochaine génération. Je comprends pas pourquoi mon jeu s'est mis à ramer à sa cause de Ludwig. Vous n'avez pas été gentil avec Ludwig. Il y a eu très très peu de votes. Ah ! Bah d'accord. Tu peux y réparer ça, stop. Qu'est-ce que tu voulais faire ? Tu voulais faire quoi avec les feuilles ? Non mais t'as un problème. Hein. Aussi, un petit rappel pour ceux qui auraient loupé les autres vidéos. Je vous ai lancé un petit défi de construction pour construire la maison des Ugly. Pour la prochaine génération. C'est-à-dire quand Carla commencera à vouloir pondre des enfants. Et bien on va déménager et on va partir sur l'île de Windenburg sur un terrain 30-40. Ça, vous allez, faut aller fouiller dans les vidéos avec la vidéo explicative, mais je pourrais la mettre dans la description si ça vous intéresse pour construire la maison. Après, il y a un budget, mais c'est largement faisable avec le budget. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de monde qui avait des soucis. Mais c'est faisable les enfants, c'est faisable, moi je vous le dis. Mais non, tu vas pas prendre un bain. En tout cas, voilà, vous avez de quoi faire tout ça. Bref, je vous mettrai le lien en description. Et puis, ça fait du bien de retrouver un peu tout le monde. Et elle en a pour combien de temps encore, Heidi? Ça va. Elle a que 51 jours, hein, donc 51 ans, elle est déjà vieille quand même. Comme une, voilà. Bon, elle va pas trop tarder, je pense. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est, je sais pas, il y a eu la petite musique. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref, hein? Oh là là, les chiottes et tout, mais c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas possible. C'est le bordel. Voilà, ça va être de l'école pour tout le monde. Heidi, tu te levais. Oui, tu vas aller faire ça dans cette toilette-là, t'es sûr? T'es un peu crado quand même, hein? Ouf. Quelle horreur, hein? Moi, j'irai pas avec plein de mouches comme ça. J'aurais peur qu'elle se colle là où il faut pas. Je lui laisse faire son petit truc. Oui, ça pue, mais tu vas nettoyer juste après. Tu... Voilà. Tu vas me nettoyer ça. Ça te fera du bien. Tu nettoieras ça. Et tu enlèveras la nourriture gâtée. Je pense qu'on sera bien pas mal. Alors, Joris n'étant pas l'héritier... Ah ! Bah, elle est déjà partie en cours. My God, bah, tu vas te faire des amis, cocotte. Toi aussi, il va en cours. Et toi aussi, dès que t'as fini tes devoirs, ce qu'il avait pas fait ses devoirs, il est en cours. Joris, on va devoir te caser, mon petit. Ouf, ouais, bah c'est bien, je fais le ménage. Mais qu'il est bien, ce garçon. On avait bien élevé. Il était comment? Il était juste bien élevé. Ouais, on n'avait pas trop réussi. En même temps, j'avais pas fait attention. On n'était pas dans les enfants parfaits. Donc forcément, je n'ai pas essayé de faire au mieux. Joris, on va donc... J'ai l'impression que mon jeu rame légèrement. Et ça m'embête légèrement également. Qu'est-ce que tu as dans ton panel? Oh! Il y a l'air d'avoir des beaux mecs. Oh, Frida, elle est morte. Ouh là 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 là. Il y a l'air d'avoir des beaux mecs. Sauf qu'il y a beaucoup plus... Ah si, il y en a une là. Eléa Guérin. Eléa? Ah mais attendez, c'est une ado, je pense peut-être. Ah oui, donc c'est dommage. Ouf! Justine, elle a bien grandi. Ça, c'est la mère... Ah oui, d'accord. Jonathan, Romain, Manon, ça, c'est sa cousine. Eric, Hélène... C'est bon, il connaît tout. Bon, il n'y a pas beaucoup de filles dans ses connaissances, à part la petite Eléa. Mais on n'a pas fini de dire notre dernier mot, puisque... Oh, ça va, t'as rien à faire, Jeannette, là? Je sais pas, mon jeu, il rame, c'est un peu... Tu vas écrire un livre de genre. Oui. Ah, et donc non-fiction. Allez. Joris, est-ce que tu veux te lancer? Toi, tu es fait tard.
D'accord. Tu es fêtard. Membre d'un groupe de potes, pitre, froid, social. T'as pas mal de choses. On va te lancer dans un job. Ça t'occupera un petit peu de tes journées. Hein, puis tu vas bientôt, après, dès qu'on t'aura trouvé quelqu'un, tu déménageras. Pour voquer à ta vie personnelle. Allez, je vais le lancer dans les réseaux sociaux. Je trouve que ça lui va plutôt pas mal, vu qu'il est sociable, tout ça. Donc, on est pas mal. Mettre à jour son statut sans réseau social, pas commencer. Oui, très bien. On va aller à l'étage parce que maman est déjà sur le PC. Réseau social, créer son profil. 1206 de droit d'auteur. On est bien, on est bien. Allez, viens là. Tu crées ton profil. Ah, et puis on va essayer de discuter avec des gens, peut-être. Plus de choix. Discuter. Discuter avec. Alors, Justine et Manon, elles ont une bouche. Oh, Roldy, les vieux. Ouh, Marc, Hélène, Maison, Louise, Igor, Diego, Eléa, Ethan, Samuel, Romain, Jonathan, Eric, Elie, Garance, Sim. Bah écoute, je vais discuter avec elle puisque c'est la seule qui est là, disponible. Et c'est bientôt l'anniversaire des filles. Mince, j'ai oublié de leur faire rencontrer des amis pour faciliter ben, le fait qu'on ait plus de partenaires. Surtout pas pour Carla puisque ce sera elle l'héritière. Elle connaît pas mal de filles, elle, hein. Ah, mais finalement, on va peut-être taper dans les copines de nos sœurs. Oh là là, je sais plus. Ah ouais, Gabrielle. Ah oui, Gabrielle est décédée. Elle a. Bon, après, elle a tous les cousins aussi. Hein. Ah, il a grandi. Ouais, il y a pas mal de cousins, cousines. Ah, on a Xine. Guérin. Ils s'appellent tous Guérin. On a le fameux Genji. Ali. Encore une Guérin. Nathan Durmin. Diego Guérin. Je m'en doutais que c'était un Guérin. Lui aussi, ça c'est la famille. Ça c'est la famille. Ça c'est la famille. Ok. Bon, et ben dans ce cas-là, on va attendre qu'il fasse gentiment connaissance avec tout ce beau monde. Je regarde ici, mais là on reste principalement sur la famille. Ouais, il y a que. Oh, il y a la femme de Garance qui est décédée. Bon, très bien. C'est super. Non, mais voilà, regardez le calendrier. On est vendredi et le lendemain, c'est déjà les filles qui deviennent adultes. Donc, effectivement, c'est chouchou patate. La Carla, il faut qu'on lui trouve déjà un mec. Assez sainement sous peu, parce qu'on va pas trop tarder pour la mettre en cloque. Après, c'est pas grave, puisque comme elle va être frisée pendant les grossesses, elle sera plus jeune un peu plus longtemps et elle verra peut-être sa progéniture grandir. Mais il va falloir qu'on check ça et qu'on lui fasse faire déjà des bisous et tout ça à pas mal de garçons. Donc, tous ceux qu'elle a dans son inventaire. Ouais, un frein roux, je suis pas sûre de mettre encore un roux là. Je suis traumatisée par les roux. J'en ai partout des roux. Certes, j'aime les roux parce que j'en suis une. Enfin, je suis pas une vraie rousse malheureusement. Mais là, elle est un peu trop à mon goût là. J'en ai un peu marre des roux. Je l'avoue. Je l'avoue, j'en ai marre des roux. Vous savez, c'est fou. J'ai un nouveau correspondant au sein de cette vallée. Attendez. Je me souviens quand tout le monde vivait là-bas, les temps ont changé. Sunset Valley. Non, c'est dans les Sims 3, ça, non? Je confonds avec Oasis Springs. Donc oui, parce que je veux dire, nous, on a habité à Oasis Springs avec les Ugly. Mais pas du tout ces générations concernées, puisque c'était quand Cybelle est devenue adulte qu'on a déménagé. C'est bien. Qu'est-ce que tu peux faire, Joris? Oh, punaise! Il a bien avancé. Vas-y, invite-la. Là, on a du beau mâle ici, Mathieu. Je vais le faire venir aussi, 13h. Ellie Unger, ouais. Ellie Dur. Ouais, y a du choix. Hein. Mathieu Cheval. Ouais, c'est bien, comme ça, on va pouvoir faire un peu connaissance avec ces personnes-là. Ah! Regardez-moi la bonne meuf, là. Beau tarpé, hein. Alors,
Elle est très mignonne. Mais comme elle est que ado, c'est un peu dommage. Parce qu'on ne pourra rien faire avec elle tout de suite, quoi. À moins que je la fasse vieillir immédiatement. Parce que lui, il a quel âge? Ah, lui, ça va, il est encore jeune, hein, mais on sait tous qu'ils vont. Mince, c'est pas ça que je vais faire. Qu'ils vont bien sûr vieillir un peu trop vite. Alors, Eléa. Eléa Jacques-Test. En tout cas, il a une très bonne communication avec elle. Donc c'est cool, à mon avis. On va pas chercher plus loin. On va prendre elle. Elle est très mignonne. Ah, ah non, il pleut toujours. Non, mais moi, je suis toujours clientèle à cet endroit. Super hypermarché. Ah, les membres d'un groupe de potes aussi. Ouais, c'est parfait. Ils s'entendent bien alors. Elle est extravertie. Parler de la pluie. Et partager des photos. Ben dis donc, faire une accolade virile. Bah ben, vas-y, ça va lui plaire. Ah oui, c'est vrai que ça a deux traits, elle n'en a pas trois. Parce qu'elle est. Elle n'est pas encore adulte. Ben tant pis, on va faire. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Faire un ami? Oh, j'en ai marre hein, de vos trucs là. C'est chiant ça, les Sims. Vous avez fait une mise à jour, mais c'est très très chiant, vous imaginez pas. Les Sims, ils rencontrent énormément là. En plus, je leur ai fait rencontrer tous leurs cousins, cousines. Donc dès qu'ils vous clamsaient, ça va être l'enfer quoi. Voilà, bah écoute, Joris, tu sais ce que tu fais? Tu vas nous faire un petit gâteau. Tu vas faire un petit gâteau au chocolat. Ils s'entendent trop bien, quoi, c'est un truc de fou. Tout à l'heure, ils étaient à niveau 0, ils s'étaient juste croisés. Ah, oui, parce qu'il va passer, il va bosser. Mais là, ça y est, ils sont méga potes. La vache, ça va vite dans les Sims, ça pouvait se faire pareil dans la vraie vie. Pourquoi pas? Mais c'est un peu plus compliqué, un peu plus long. Dans la vraie life, IRL. Lol, Lidwin va-t-elle inviter sa carrière? Ben, elle est déjà là en fait, à moins qu'il y en ait une deuxième qui ait le même prénom. Mais je doute. Regardez-moi mes enfants. Là là, vous êtes tous nuls hein, par contre, vous avez des moyennes catastrophiques. Hein. Va t'amuser. Toi, va t'amuser. Et toi, va dormir. Lui, il va faire une sieste dans le jacuzzi. D'accord. Très très bien. Niveau 9, compétence à écriture, Heidi. Tu es très très douée. Bon, finis ton livre et après on s'en occupera de tes pleurs. Là, tu me saoules. Ah oui! Et nous, notre héritière, elle est immature, c'est ça? Ouais. Pitre et immature. D'accord. Ah ouais. J'ai jamais trop joué avec le trait immature, donc je peux pas trop dire si c'est bien ou pas. Donc on pourra voir. Attends, oh là là, oh là, attends. Pas de précipitation. Toi, tu fais quoi? Tu peux mettre les bougies. Donc, si vous entendez des petits. Ça, c'est mon chat qui est en train de s'exciter derrière sur les mouches. Ah oui? Ah oui, voilà. Oui, je sais, c'est mignon, hein, mais c'est un peu trop long. Joris, tu vas plus de choix faire vieillir le Sim et Léa. Et toi, là-bas, là? C'est vrai, tu t'es éclaté, tu vas faire venir des hommes. Des mâles. Tu vas faire venir. Non, pas Simon. Tu vas faire venir lui. J'ai dit lui. Ça, c'est les cousins. Bah, en fait, t'en connais qu'un. T'as rencontré que des nanas. Toi. Toi, tu vas. Lui. Oh, lui. On est bien là. Et toi, t'as rencontré qui? C'est Joyce qui avait un peu plus. Lui. Lui là. Lui, il est grave. Toi, tu vas l'inviter. Tu vas inviter Diego aussi. Ok!
Bon, ça y est, elle est adulte, la cocotte? Jeune adulte. Tu peux complimenter la tenue et tu peux commencer à la draguer. À mon avis, ça va. Ah ouais, parce que forcément, Alors, Carlette, tu vas faire connaissance avec. Qu'est-ce qu'il a? Il est triste? Qu'est-ce qu'il a, ce grand garçon, là? Oh là là, qu'est-ce qui lui arrive? Ouais, bonne humeur, lui, chiale, tout va bien, quoi. Alors, amical. Ouais, d'accord. Discuter sans intérêt. Ça y est, y a tout le monde qui arrive. Tous les prétendants pour aller dans la culotte. Regardez-moi tous ces mâles. Oh, punaise. Oh, il y a du BG. Il y a du grave BG. Hein. Pitre, il ma... Oh, il est immature aussi. Mais c'est pas possible, c'est la journée des points communs, quoi. Taquiner de manière délicieuse. Lui. Tac-tac. Amical. Qu'est-ce que tu peux lui dire des trucs, faire connaissance? Oh là là, ils arrivent tous là, ça y est. Lui aussi. Non, elle part pas. Non, elle part pas. Non, elle part pas. Tu la chopes. Toujours dans la délicatesse, n'est-ce pas? Mais en plus, le temps est quand même hard. On n'a pas le temps de niaiser sur cette partie. Tu la dragues. Complimenter lourdement l'apparence. Discuter de son intérêt. Devenir meilleurs amis. Bon, alors, regardez-moi ce conglomérat de jeunes. Des ados et des moins ados. Illuminer la journée. Faire connaissance. Féliciter. Faire connaissance. Voilà, ils deviennent meilleurs amis. J'ai eu peur. Alors, il y aura tout ça. Nous allons regarder un peu de plus près les faciès de ces jeunes hommes. Ok, lui ferme les yeux, donc ça va être compliqué. Lui, il est... Le blond, là, il me plaît bien, là. Lui, il me plaît bien, lui. Bon, il a les sourcils, mais il me plaît bien. Je ne veux pas du miroir, s'il vous plaît. Ah, lui, il est très bégé aussi. Lui, il a... Ah, le nez, je suis pas très fan de son nez. Ah non, pas du tout même. J'aime pas du tout le nez. Lui, le barbu là, le blond barbu à métis. Il dégaine. Ça peut aller, lui. Ça peut donner un mélange un peu sympathique. De toute façon, là, on est en train de faire ses emplettes. Ah bah, Simon, elle l'aime bien. Qu'est-ce que c'est que cette tâche? Non, tu vas être sympa avec, tu le connais à peine. Si tu commences à faire la conne avec lui, il risque de mal le prendre et ça pourrait ne pas le faire. Faire connaissance. Éliminer la journée. Est-ce que tu connais... Ah, il est triste! Ah, il faut lui remonter le moral alors. Peut-être que... Complimenter de la tenue. Membre d'un groupe de potes. Ah ben ça c'est, j'allais dire tant mieux, mais non en fait c'est pas les mêmes. Elle un petit peu faire l'imbécile. Yaba. Illuminer la journée. Lui il se fait chier. Faut demander savoir un peu les traits quoi. Enfin je trouve que comme ça au moins tu On sait à quoi s'en tenir. Hein. J'ai envie de dire, on est vendredi, elles vont pas faire leur devoir, ça sert à rien, elles vont vieillir quoi. Elles vont déjà devenir adultes au prochain épisode, donc ça va être. Sinon, je deviens adulte dans pas longtemps, vous voulez me pécho ou pas? Alors, elle est réceptive la coquine ou pas? Pas trop. Comment s'est passé la journée? Non mais, toi, tu t'en vas, tu discutes pas, on s'en fout, on veut pas te parler. Va faire ta life. Tu laisses ton frère draguer tranquillement. Complimenter. Discuter d'énigmes logiques.
Demander de vivre ensemble. Envoyer un baiser. Allez, faut que tu la dragues là. Oh là, oh là, ouh là là. Ah, Jenga. Il faut que tu la chopes. Avouer anxieusement son attirance. Ah, peut-être que je suis un peu... Mais non, ils sont à fond d'un... Oh, c'est hallucinant. Ils sont à fond d'amitié, quoi, sans rien faire. Ok. Mais tu n'as rien fait. Il faut que tu la dragues, Joris. Ça suffit maintenant. Hop. Il faut que vous découvriez les joies de l'amour charnel assez rapidement. Truc horrible. Allez. Oh là là. Il y a des bugs de téléportation de temps en temps. Ouais, il y a beaucoup de bugs de téléportation. Boum, boum, boum! En plus, tu sais pas son dernier trait. Faudrait peut-être lui demander. Bonne journée. Alors, ça y est ou pas? Ah, ça y est! Ça commence! Allez, elle est chaude là. Elle est chaude. Avouez son attirance. Complimenter lourdement l'apparence. Ça marche, ça marche, ça marche. Ah, les rats de bibliothèque en plus. Alors, ça fonctionne ou pas? Ça fonctionne ou pas? Est-ce qu'elle est... Oh, premier baiser. Bon, elle a faim. On lui aussi, la faim. La vache. Tu vas pouvoir manger un morceau après. Si t'arrives à l'embrasser, c'est qu'on est bien parti quand même. Oui, 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 oui! Ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne! Mmh, un petit bisou par-ci, un petit bisou par-là. Ah, voilà, ça y est. Jury, c'est déjà casé, c'est rapide, moi. Je vous le dis. Embrasser froidement. Le très froid, il est quasiment... Il est vraiment très, très relou. Voilà. Envoyer un baiser timide. Flirt futile. Voilà. C'est bon. On retourne un peu avec Carla. Ah ben, ils sont partis. Oui, ils sont en train de partir. Ils ne sont pas tous partis. Par contre, Heidi, si tu pouvais, s'il te plaît, je sais pas qui est mort, mais tu nous gonfles, ne pas traîner en sous-vêtements dehors. Tu vas faire un bar grillé, ce sera super. Tu vas un peu faire connaissance avec les mecs, là. Traîner avec un selfie, si tu veux. Je m'en fiche, flotter. Allez. Tu vas commencer un peu à draguer. Par contre, ça monte moins bien avec Carla. Qu'avec les autres. Qu'avec Joris, par exemple, et sa copine. J'ai déjà oublié son prénom. Et Léa. Mais arrête de parler ta mère. Pense que tes ovaires sont en fonctionnement et que bientôt, ton utérus sera pris aussi. Oui, parce que Carla, du coup, je pense pas la faire se marier et avoir qu'un seul père pour tout... pour la future génération. Je pense qu'elle va faire un bébé avec un mec, un autre mec, un autre mec, un autre mec. On verra bien ce qu'il en résultera. Ça va mixer les gènes et on aura beaucoup plus de surprises. Parce que j'étais un peu déçue. Je m'entends même pas avec tout, avec Eagle et tout. J'étais un peu quand même déçue de cette génération où les filles sont strictement la même et tout ça. Et ouais, j'aurais préféré effectivement qu'on puisse avoir un peu plus de gènes. Un mélange et des... Juste des mélanges, quoi. D'autres choix, en fait, surtout. L'invité à rester dormir comme ça, elle reste à la maison. Voilà, échange amoureux. Embrasser, tout ça. Tenter de murmurer suavement. Dormir ici, génial. Elle est chaude, elle est chaude. Bon, ils s'en vont tous, les autres. Hein. Allez, je pense qu'il va être temps... de faire un petit crac-crac dans le bain remous. Ils adorent ça, hein, nos Sims. Hein.
Je passe déjà la nuit ici. Oui, je sais. Ouais, voilà. Je pense que on est bien. Elle est déjà partie se coucher. C'est vrai que du coup, je ne m'occupe plus du tout des autres. Hein. Là, j'ai casé Joris. J'ai fait en sorte que Carla rencontre plusieurs gars. Et puis, ce sera très bien si tu vas envoyer une copie à la résultataire de ton bouquin. Pourrait être pas mal. Et Joris va tremper son biscuit dans le jacuzzi avec sa nouvelle chérie. Et tout ça, ça rime. C'est merveilleux. Il y a des lieux heureux. Avec des joues. Eh ben, sacrée journée pour Joris. Hein. Ce matin, il était célibataire sans aucun plan. Ce soir, il a une copine et il fait crac-crac dans le bain à remous. Et hop là! D'accord. Bon, et ben tout va bien, je crois. Non, c'est pas ce que je voulais faire, faire crac-crac, sauver sans aucun vêtement, certes. Vous allez surtout nous faire un petit bébé. Oui, je sais, je vais très très vite. Mais comme ça, on perd pas de temps. C'est le Ugly, vous savez qu'il a ils ont une vie de durée de vie beaucoup plus courte que dans d'autres let's play. Ah! Fais du sport. Tu vas prendre le courrier, cocotte. Ça y est, vous avez Amour, elle dort. Oh punaise, on dirait sa mère. On dirait Heidi. Plus de choix. Déjà, tu vas la réveiller. Réveiller. Et que flouf? Et que flouf, Léa? Réveille-toi, s'il te plaît. Embrasser. Vous pouvez pas faire de bébé? Mais... Le Sims de foyer est trop grand. Ah, c'est chez elle qu'il y a trop de monde. Elle peut pas tomber enceinte. Ah, oh, mais non, ça c'est chiant ça. Ah, oh, ça c'est très chiant. Tu vas demander d'être ta petite amie. C'est pas grave, on va la faire emménager alors. On va la faire emménager avec nous. Mais je les ferai déménager ensuite ensemble. Parce que s'il y a trop de monde chez elle, ça veut dire qu'elle ne peut pas tomber enceinte. C'est un peu dommage. Snib. Bon, bah, bienvenue Eléa dans la famille. Hein. Voilà, elle emménage. Effectivement, il y a du monde chez elle. On peut voir du coup tout ce qu'il y a. Ah ben lui, on le connaît. Donc on va essayer de faire un petit bébé avec Carla pour mixer un peu les gènes asiatiques. Ben, elle vient avec nous. Et puis il y a tout ça d'autre. Il y a trois roues. J'en ai déjà aussi pas mal de roues, donc je vais m'abstenir pour les roues en ce moment. J'en ai un peu mal. J'en ai marre. Voilà. Eléa est avec nous dans la maison. Donc ben... Crac-crac dans le bain, remous, badinage et moustillant, réchauffé par un baiser, décoré avec finesse. Voilà, tout qui va bien, juste fatigué, quoi. Tu vas faire quoi? Discuter, ouais. Mais vous allez faire un petit bébé, surtout, oui. Allez, plus vite que ça, les amoureux. Et il n'y a que lui qui est... Bah lui, fais ses devoirs. Bah, tu fais tes devoirs que maintenant? D'accord. Bah, il les a finis. C'est parfait. Tu sais ce que tu peux faire? Si tu veux être un amour, tu peux nettoyer tout ça. Ça, je mets ça dans le machin. Ça, j'éteins. Hop. Et voilà. Il y en a un qui se fait plaisir dans le bain remous. C'est super. C'est la belle vie. Elle aussi, hein, bien sûr, ce qu'elle a avec. Lui, il va faire un petit peu le ménage. Et on est bien, et toi tu dois pisser ta mère. Mais pourquoi tu dors là? Pourquoi t'as changé de chambre? Ça y est, tu te sens plus, tu te dis ouais non mais moi je suis l'héritière, moi je dors plus dans la chambre avec ma sœur.
Elle, c'est le rebut de la société. Bah écoute, non, quand même. Et puis vous allez aller vous coucher quand même tous les deux. Non. Oh la vache! Allez, ils ont fait péter le tuyau, quoi. Toi, tu vas faire un petit test de grossesse. Non, alors, c'est pas grave. Tu vas faire un petit test de grossesse ici. Vas-y, cocotte! Yes! Et voilà. Joris va devenir papa dans quelques temps. Déjà, oui, bah écoutez, chez nous, ça va vite. Ça va même très très vite. Un youbou! Allez, va te coucher dans ce lit ici, c'est pas très très grave. Et Joris, tu vas y dormir. Oh là là, je vous jure, c'est du grand nawek là. C'est du grand n'importe quoi, Joris. Voilà, merci pour tout ça. Ah non, l'hôtel se lève. Eh bien, ce sera pour le prochain épisode avec l'anniversaire des filles qui deviendront jeunes adultes. Et donc, on va attaquer assez sérieusement tout de suite. En tout cas, je pense que Carla sera en chasse pour le premier père. Peut-être soit un des ados qu'on a vu, soit d'autres personnes qu'on va aller en ville. On va essayer de choper du lourd, du beau mec. Et puis je vous donne rendez-vous du coup pour le prochain épisode. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très bientôt. Salut!